Et yo tout le monde, c'est Terridil, on se retrouve pour le succès prime de pénibilité qui consiste à écraser des ennemis avec le chariot élévateur. Donc une méthode assez facile pour le débloquer, c'est de lancer un baptême du feu perso sur la carte court, de lancer un Gruntpocalypse et d'éditer les paramètres du jeu pour se rendre invulnérable et avoir un marteau antigravité par défaut. Sur ce, on va lancer en facile parce que les ennemis auront moins de vie du coup. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que dès que la mission se lance, on va se précipiter vers le chariot élévateur. Et il faut savoir que vous n'avez pas besoin de le conduire pour débloquer le succès. Il peut même être détruit du moment que la carcasse écrase tout le monde, ça marche bien. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que puisqu'on est invincible, et ben on n'a rien à foutre de se prendre des coups. Et là, ce qu'on va faire, et ben tout simplement, c'est taper dedans pour l'envoyer voler et écraser des gens. Voilà, ça se fait assez rapidement. En principe, en 2-3 minutes, vous devriez réussir à le faire. C'est un petit coup à prendre, mais bon. Ben voilà, c'est un petit tips pour rendre ce succès en apparence très compliqué. Et ben, très simple, en fait. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et bien entendu, vive Halo !